Eh bien bonjour tout le monde, c'est Nick Tranman Black Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17. On va faire du bois aujourd'hui. J'ai acheté la petite ponce, la Scorpion King qu'on retrouvait dans le 15. J'ai acheté ce petit broyeur, comme je vous ai montré dans la toute première vidéo que c'était un nouveau broyeur. Donc on va l'activer. J'ai eu beaucoup d'argent, c'est grâce à ces petites box là. Ça rapporte énormément d'argent. Là j'ai 352 279 millions, une connerie comme ça. Mais ça rapporte en fait 10 000 euros par moi ma monnaie unitaire dans le jeu c'est euros, mais ça rapporte 10 000 par jour. Ouais. On va l'éteindre. On va aller couper le sapin là-bas, la petite ponce. Maintenant, on peut choisir si on la met sur chenille ou pas sur chenille. On va enlever le petit Zeto. Moi, j'aime bien, il est beau. Hop là. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien le bois. Moi honnêtement, sur ce jeu, je l'aime bien. Sur le 15, c'était vraiment énervant de le faire. Ah, la ponce déconne. Ouais, je sais pas si certains d'entre vous qui regardent cette vidéo connaissent Farming Simulator 15. Moi honnêtement, j'y joue depuis le 2009, je veux dire. Ok. J'espère que là, mon petit se mort, voilà. Alors, on va couper comme ça. On va l'amener près du plateau. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je pense que ce serait pratique. Là. On va le couper au-dessus. On va faire un peu n'importe quoi. Hein. Hop là. Ceci est vraiment fait pour faire n'importe quoi. C'est bien parce que maintenant, vu qu'on peut lui prendre à la main, je pense que je vais pas trop m'embêter avec. Je lui prendrai la main. On va prendre les bouts de bois là, on va les jeter dedans. Donc on les prend, c'est facile, on les jette comme ça, là ça tombe dans la benne, logique. Les bennes, c'est une petite Joskin, c'est celle qu'on a, et avec le petit Massey Ferguson Black Edition. En fait, on peut l'avoir sur PS gratuitement. Après, je sais pas sur PC parce que moi, je l'ai jamais eu. Si je l'ai sur PC, mais je sais pas trop comment on fait pour l'avoir. Alors, après tout, on s'en fout. On n'est pas sur PC, on est sur PS. Ben moi, honnêtement, je joue sur PS4 là. Là, la batteuse, elle va calbiter. Là. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo assez petite, mais c'est juste pour vous montrer à peu près le bois. Moi, je pense que le bois c'est assez chaud parce que moi, certains vont dire que c'est un peu débile ce que je veux dire, mais le bois j'aime pas trop parce que il y a beaucoup de choses qui m'énervent et rien que voilà ça. Le bout de bois, il va taper quelque chose. Pam, voilà, il tombe. Et ça m'énerve. Voilà, aussi ça. Le bout de bois, tu sais pas où qui part. On te demande. Voilà, on sait pas où qui est le bout de bois qui est parti. Il y a beaucoup de bugs comme ça de physique.
faudrait bien que dans le 2019 aussi qu'ils mettent quelque chose de vraiment intelligent. Mais qu'ils ont vraiment pas mis. C'est la réalité sur vraiment beaucoup de choses. Comme par exemple, quand on va faire un champ, logiquement le champ n'est pas tout le temps plat. Chez nous, quand on va labourer les champs, le tracteur, bah, il s'enfonce. Et voilà, là dans le jeu, il s'enfonce pas du tout. C'est vraiment pas trop réel. Les physiques du jeu, ils se sont pas trop foulés, Giant. Mais après, c'est un jeu qui est quand même assez bien. Mais au certain point de vue graphique, il est vraiment dégueulasse. En mode, j'ai téléchargé ce petit Kirovet. Bah, en fait, c'est un tracteur russe. Je crois qu'il a été créé dans la deuxième guerre mondiale. Là, je l'ai mis en pneu jumelé. Donc voilà l'intérieur. Dans le 15, sur ce côté-là, je sais pas si vous en rappelez, bah, ceux qui ont téléchargé sur le 15, en fait, il y avait comme une sorte de fille un peu chelou, c'est comme une sorte de GPS. C'est pas trop une carrière suivie en fait. Moi je dis carrière suivie, mais c'est pas trop en fait une carrière suivie parce que je continue pas trop avec vous sur cette partie. Mais en vrai, la partie. Voilà. Moi j'aime bien la continuer un peu seule. Donc là. Je suis désolé de faire un gros plan sur le cul de ce cochon. Les cochons ils se reproduisent très vite. En fait, pour les reproduire, c'est tout con. Vous en achetez 10. Et après vous avancez le temps, vous avancez le temps et puis c'est comme ça. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Et bye bye et portez-vous bien pour ma prochaine vidéo. Ciao !